Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, choisi de Dieu. En ce matin, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute connaissance, habite pleinement nos cœurs. En ce matin, bien-aimé, je te souhaite de recevoir la paix de notre Seigneur Jésus. Dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes études, dans tes entreprises, là où que tu sois, reçois la paix de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour le don gratuit de la vie. Il a bien voulu encore renouveler ce souffle de vie en nous. Nous le bénissons de ce que sa main puissante repose constamment sur nos vies. Nous le bénissons pour toutes les circonstances et événements de nos vies. Car la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec la parole que l'Église, notre Mère, nous propose en ce jour. Le Seigneur déclare « Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette parole de vie que tu nous donnes en ce matin. Tu nous demandes de nous préparer davantage et davantage parce que tu viens. Nous ne savons ni l'heure ni le jour, mais bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous demande de nous préparer. En ce matin, si tu entends cette voix du Seigneur qui te demande de te préparer, consacre-toi davantage. Donne ta vie davantage à Jésus. Consacre-lui tes entreprises, ce que tu es, ce que tu as, parce que tout vient de lui et tout est à lui. Il déclare dans sa parole qu'il vient. Et il veut nous trouver sur le chemin afin de nous emporter avec lui. Il veut nous trouver en tenue de service. Alors mettons cette tenue de service et attendons le Maître qui revient. Avec toi, je veux élever ce cantique pour davantage nous préparer à cette rencontre d'amour. Parce que le jour vient où nous allons rencontrer notre Maître. Le jour vient où nous allons le voir tel qu'il est. Le jour vient où nous allons souper avec lui dans les lieux célestes. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Jésus-Christ vient. Le Fils de Dieu vient, alors préparons-lui, oui, nos cœurs. Le vivant vient, l'Adonai vient, préparons-lui. Nos cœurs.
sois la flamme qui lui dans le désert et la nuit, tes yeux fixés sur Jésus, proclamant sa venue. Sois la flamme qui lui dans le désert et la nuit, tes yeux fixés sur Jésus, proclamant sa venue. Le Seigneur vient, Jésus-Christ vient, alors prépare en lui nos cœurs. L'agneau de Dieu vient, le prince de paix vient, prépare en lui nos cœurs. Préparons-nous à cette rencontre, une rencontre d'amour, où le Maître vient nous chercher. Avec lui, nous serons dans lieu saint. Préparons-nous davantage. Notre Seigneur vient. Il vient pour nous chercher. Avec lui dans les lieux célestes. Il dit, je m'en vais là-haut pour vous préparer une place. Et après cela, mes frères, mes sœurs, je reviens pour vous chercher. Dans la maison de mon Père, il y a plein de demeures. Laissez-moi vous préparer la place en haut. Et je reviens pour vous chercher. Soyons prêts à accueillir Jésus. Soyons prêts à accueillir le Maître de nos vies. Soyons prêts à accueillir l'agneau de Dieu. Parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés, préparons nos cœurs davantage. Parce qu'il le déclare, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais il revient bientôt. Préparons-nous à cette rencontre d'amour, à rencontrer celui qui nous aime, celui-là qui a donné sa vie pour nous à la croix. Ainsi, nous serons avec lui dans les lieux célestes, l'adorant pour l'éternité, le servant pour l'éternité. Alors qu'il vient, qu'il nous donne lui-même la grâce de nous trouver prêts afin de nous emporter avec lui. Telle est notre prière en ce matin, et qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles sans fin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi, bien-aimé de Dieu.